Merci, Madame la Présidente. Voilà, je diviserai mon propos au nom de mon groupe politique en plusieurs parties. Je parlerai de l'Europe, du climat et de l'eau, notamment, et je déclinerai à l'échelle de la Corse et de sa jeunesse également. Les agriculteurs nous font vivre. Notre mission première, c'est de les soutenir pour qu'ils puissent simplement faire leur travail. La crise géopolitique actuelle va très rapidement avoir des conséquences majeures pour notre agriculture. Il est urgent de sortir de l'idéologie de la décroissance agricole pour préserver nos filières et garantir la production alimentaire dont la Corse a besoin. Avec l'Europe, il y a aussi des avantages en matière d'agriculture. La PAC, ça a été dit par certains de mes collègues précédemment. La politique agricole commune avait permis de combattre efficacement la pénurie alimentaire et de moderniser le secteur agricole. Ce fut un des grands succès économiques et politiques de l'histoire de l'Europe. Il n'y a pas de fatalité à sa dégradation. Sur ce sujet, nous ne croyons ni à un repli illusoire qui nous laisserait isolés dans un marché morcelé, ni à une ouverture aveugle qui abandonnerait notre agriculture. Ce pan essentiel de notre économie, de notre modèle social et de notre mode de vie. À l'échelle de la Corse, l'agriculture ne peut couvrir actuellement que 10% de l'alimentation des habitants de l'île. Et en parallèle, de nombreux jeunes agriculteurs rencontrent, ça a été dit aussi tout à l'heure, de grandes difficultés pour trouver des aides et monter des dossiers, laissant ainsi de nombreux agriculteurs sans possibilité, faute de pouvoir se lancer. Ces terrains agricoles, parmi les moins chers en moyenne par rapport au continent, sont ensuite rachetés par des promoteurs immobiliers. La Corse, je parlerai du climat maintenant, la Corse est sujette à des crues courtes et intenses qui risquent de devenir plus fréquentes au cours de ces prochaines années à cause du changement climatique. Évoquons également l'augmentation de l'évapotranspiration, c'est-à-dire l'augmentation de la perte en eau des plantes par leurs feuilles des cultures agricoles. De plus, les dernières estimations scientifiques prédisent une augmentation de la température plus importante que prévu, notamment en Corse, ce qui aurait un impact drastique sur les activités humaines. Je parle de l'agriculture, mais je parle aussi de nos besoins au quotidien. Le dernier été, avec ses rivières et ruisseaux à sec, ou presque, doit nous inquiéter davantage sur notre gestion de l'eau pendant les périodes d'abondance et notre capacité, j'insiste, à la stocker. Pour conclure, nous continuerons à nous battre pour soutenir l'agriculture insulaire, qui est la clé de notre sécurité alimentaire, de la préservation de l'environnement et du rayonnement de notre région, la Corse.